T'as-tu déjà pris de la mescaline? Non. Hey, c'est de la crise de cochonnerie. Ah, oh, fuck! Oh. Mes enfants, ils vont l'entendre! Ah, non, c'est pas grave. Mais... Non! Mais... Non! J'ai oublié, je peux... Tu fais pas comme Guy, toi, tu coupes pas au montage? Non, non, je coupe pas au montage. Hey, ça, c'est de la... Ben non. Là, regarde. Mais tu sais, en même temps, si mes enfants vont entendre ça? Ouais, oui. Si t'as écrit... Est-ce que t'as écrit ton trip de mescaline dans le livre? Oui. Fait que tes enfants l'ont lu? Oui, mais... Je sais pas s'ils sont rendus jusqu'à... Tu sais, c'est parce que je parle du groupe Yes en 1972. Okay. On était chez un de mes amis. Tu sais, l'époque de mon adolescence, on faisait des parties dans la maison, dans le sous-sol. Fait que là, mon ami Michel, il dit, mes parents partent pour la fin de semaine. Là, ça fait, oh yeah, baby. Fait que on s'est ramassé chez lui le vendredi, puis on a commencé à boire, puis à fumer. Puis il y avait de la cochonnerie, ça s'appelait de la mescaline. Et ça, là, quand tu prends ça, il n'y a plus de temps. Ça, c'est un message pour tes enfants. Faites-en, c'est cool. Ça revient à mode, ça revient à mode! Mike! Non! C'est de la cochonnerie, parce que le temps n'existe plus. Tu sais, fait que là, on a pris ça, et moi... J'entends une sirène. La mère de mon ami faisait pousser une plante verte depuis 25 ans. La plante était rendue au plafond. Puis c'était son bébé, sa plante verte. Un genre de plante caoutchouc qui est... Et moi, sous l'influence de cette substance dégueulasse, je me suis pris pour Tarzan. Ah! Et là, j'ai fait... Ah, 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 ah. Et là, j'ai traversé le salon et je me suis pendu à la plante verte cassée en deux. Et la terre s'est ramassée sur le tapis blanc. Et là, une fille qui a eu la brillante idée de sortir la machine à laver le tapis, ça faisait de la bouette. Écoute, c'était dégueulasse. Et là, après, on s'est mis à un jeu. Je vais te conter un jeu très drôle à faire quand tu prends de la drogue, OK? un jeu qui est très cool. Tu vas dans une cuisine et là, tu fais des équipes. Un contre un, deux contre deux, trois contre trois, puis tu as un arbitre. Et là, tu prends n'importe quelle substance dans le frigo, dans les armoires, et tu essaies de voir qu'est-ce qui va coller au plafond. Fait qu'admettons, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était fait des toasts aux confitures de framboise. Moi, c'était mon équipe. Okay. Moi, j'étais sûr que... des toasts Nutella framboise collaient mieux que des bananes. OK. Mais l'autre équipe avait choisi fruits. Et on a perdu. Ah ouais? Oui, parce que les bananes, étonnamment, des bananes collent beaucoup mieux au plafond que des... Parce que la toast est trop lourde. OK. Fait que j'ai perdu ce soir-là mon... Et là, finalement, quand les parents sont arrivés vendredi, le dimanche soir, la maman de mon ami a voulu appeler la police pour dénoncer son fils. Ah ouais, vu que l'arbre, la plante ben, était pétée, il y a du Nutella boîte, puis, sur le plafond. Puis finalement, on s'est ramassé dans le sous-sol. Et là, le père de mon ami cogne à la porte, on est complètement fait. Et là, le père cogne, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, on dit, on écoute la télé. Alors, il ouvre la porte. Non, c'est pas ça. On a dit, on regarde la télé. Et là, le père est entré. La télé était fermée, mais on la regardait. Ça faisait comme une heure qu'on regardait la télé, puis elle était fermée, il n'y avait rien. Fait que, ne touche pas à la drogue. Ah ouais. Ça, le buzz de la mescaline, ça dure-tu très longtemps? Ben c'est parce que le temps n'existe plus, la mescaline. Il n'y a plus ça de secondes. Ça dépend où c'est que tu l'as acheté. Non, mais il y a comme... Ça peut, ben, peut-être comme une demi-nuit. À peu près, tu peux marcher pendant des heures, puis tu penses que ça fait 3 minutes que tu marches. On a marché, on s'est rendu tellement loin qu'on s'est demandé où on était rendu. Mais il n'y a plus de temps. Tu sais, seconde, minute, heure, il n'y en a plus. C'est comme, admettons, là, j'aurais pris la mescaline, peut-être que ton show il aurait passé comme en 3 secondes. Ça serait un peu bizarre. Mais ne touche pas à ça. Non, je toucherai reste pas. Reste avec ta... Michelob. Michelob. Regarde, c'est lui au naturel. Imagine, c'est la mescaline. Ouais.